Salut à tous et à tous, ici Supercan, on s'y appelait ça, et on se retrouve pour l'épisode 7 de Final Fantasy, dans la deuxième partie de ce jeu, et ouais, on a fini la première. Et donc, j'ai un peu farmé l'argent, bon, je me suis pris 2-3 dégâts, c'est pas grave. J'ai équipé Ombus et Minos de brassard d'acier. Bah, j'ai changé leur armure, attendez, je vais vous trouver. Voilà, ils ont le brassard d'argent, comme ça. J'ai testé, ils ne se prennent plus que 1 dégât contre certains mobs, donc on peut dire que c'est fait. Bon, on va explorer les deux petits donjons à explorer. Et ils arrivent même à tuer un... Oui, au passage, oui, ils sont niveau 22 aussi. Hein. Ah, un nouveau mob, oui. J'ai un peu exploré, et il y a un nouveau mob, il y a les hyènes. J'ai pas eu le temps de voir si ça rapportait pas mal, mais apparemment... Voilà, 260 deals. Il y a deux donjons dans dans le coin. Des ombres. J'ai aussi les mobs, je les ai vus, je les ai affrontés. Voilà, pas grand chose. Alors j'avais premier donjon que j'avais vu, où est-il ? Allez, faut passer par là. Voilà, le premier donjon. Je crois que c'est une grotte du géant. J'y suis allé, je suis désolé, je me suis spoil le nom. Je suis allé, je suis ressorti. Hein. Voilà, croyez-moi sur parole, j'ai pas fait le donjon. Je ne sais aucunement quel monstre il est. Et s'il faut y aller. Voilà, la grotte du monstre. Bon, il y a des loups. Voilà, vous avez vu, Ombus a perdu qu'un point de vie. Bon, après, bon. C'est Ombus. Hein. Et ce sera l'avant-dernier. Je crois pas que ce sera... Ah ok, il y a un golem là. Oh mais putain, il y a 10 000 loups, putain, mais cassez-vous les loups. Qu'est-ce que vous faites dans une grotte comme ça, les gars? Bon, j'aurais dû peut-être faire une magie. Je veux aller vite, mais bon, aller vite comme ça, ça ne sert à rien. Bon, on espère que Ombus frappe le premier. Bon, il est frappé en deuxième, c'est pas grave. Toi, gentil ou méchant? Vous ne passez pas. Compris que c'était pas là où il faut aller. Il y a un deuxième donjon. Je sais pas si c'est celui-là où il fallait aller. Bah si. Ça prouve bien que ma bonne volonté. Donc le deuxième donjon il est là. Je sais pas si c'est celui-là où il faut aller. J'ai pas du tout regardé la soluce. Même si elle est encore à côté là. Même si je l'ai toujours à côté au cas où. Bon, alors deuxième donjon, caverne de Terra, apparemment. C'est ici qu'il faut venir. Ok, et ça commence direct avec des nouveaux mobs. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Gigas. Et Rachid est un poil fatigué. Hein. Putain, ça enlève Shy. Ah, ça dit donc ça masse point de vie, hein, ces trucs. 500 et... D'accord, je comprends maintenant pourquoi le homme, il est pas difficile. Ils ont mis un homme à ce prix-là. Vu les dégâts qu'il met et le barre de vie du bordel, je comprends maintenant. Voilà, bon, on va explorer un peu ce... Ok, une embuscade. Merci les embuscades. Alors, faudra m'expliquer pourquoi il y a un mob qui m'enlève un point de vie, l'autre m'enlève... Putain, il a plus de 200 points de vie, hein. Ah, j'ai fait juste brasier. Très intelligent. Ça rapporte max ces trucs. Bon, brasier X. Et il est pas mort. Ce truc, mais il résiste sa race. De voir les états. Merde, j'ai fait formation, mais quel autiste. Mais casse pas la formation, je veux juste état. Ouais, ok. Par contre, j'aimerais faire trois pas avant d'affronter un mob, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais faire plus de 3 pas avant d'affronter un mob, merci. Hein. Même mon guerrier qui a 10 000 points de vie, il y a du mal. Hein. Soin plus pour le coup.
J'aime. Putain, mais je peux pas faire plus de 3 pas avant qu'un mob me saute sur la gueule. C'est quoi cette putain de jeu, ce putain de jeu là? Il lui arrive quoi là au jeu? Il est devenu fou, le jeu est devenu fou. On a perdu le jeu. Le jeu est en train de danser tout nu là dans une forêt. On a perdu le jeu, montre monde à niveau, c'est HP monte de 29, son agité augmente, sa vigueur augmente. Rachid monte à niveau, c'est HP monte de 3, son agité augmente, sa vigueur augmente, sa chance augmente. Minos monte à niveau, c'est HP monte de 5, c'est HP pouvoir magique monte de 18, c'est agité augmente, sa chance augmente. Omnus monte à niveau, c'est HP monte de 3, c'est pouvoir magique de 9, sa force augmente. Sa force pour un... Mais... J'ai fait un pas et demi. C'est normal là, c'est tout est normal ou il y a un blème là? Ah, faut me le dire s'il y a un problème. Mourez. Comme ma magie n'a pas monté, bah voilà. Ouais, mais il m'enlève max. Ouais, je comprends là le homme, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Je fais deux pas, il y a déjà un mob sur ma gueule. C'est non mais faut juste arrêter là. C'est quoi ça? C'est fait. C'est n'importe quoi. Mais c'est de la folie quoi. C'est de la folie. J'ai pas d'autre mot à dire. C'est de la folie. Garde! Non mais arrêtez là, c'est pas drôle. C'est absolument pas drôle, c'est comme si dans Pokémon tu ferais un pas dans une haute herbe, ça y est, t'as déjà. T'as une horde. Bon, elle est hors pour... Mais une horde, même niveau que les Pokémon de la zone, quoi. Non, mais faut arrêter, quoi, c'est n'importe quoi. Garde! Non, mais c'est un scandale, là. Ah non, je suis pas d'accord, là. 8. Non, mais. Je fais un pas. J'ai déjà un mob sur ma gueule. Non, mais. Oh, faut se calmer, là. C'est pas normal, c'est pas normal. Et Rachid, il va crever, hein. Ah, mais je spoil, il va crever, là. Bah, forcément... Non, mais forcément, à un moment, c'est normal. C'est normal, je me prends un mob... Vous regardez, c'est... Ok, c'est normal. Apparemment, passer par là, tu as le droit... Mais... Non, mais le jeu il est bugué là, c'est pas normal. Je suis un pas, j'ai déjà un mob sur ma gueule. Non, mais stop là. Mais stop! Non, mais. What the fuck? C'est quoi ce donjon où tu fais un pas, t'as 8000 mobs sur la gueule? Non, mais à un moment, faut juste arrêter là, il y a abus. Y'a un abus là, attends, regarde la thune que j'ai gagnée quoi, j'étais à 600. Non mais, stop, stop, y'a un moment faut juste dire stop. Je suis un pas, j'ai un ennemi, merde. Mais laisse-moi me soigner, laisse-moi jouer, bordel. Putain mais what quoi. Mais c'est pas de la rage, c'est normal quoi, tu... Regarde, j'ai monté deux niveaux. HP monte de 32, sa force augmente, sa sagesse augmente, sa chance augmente. Non mais stop là, je suis monté niveau 23 en tapant que des mobs, rien qu'en faisant 10 pas. En 10 pas j'ai gagné 2 niveaux. Eh non mais la folie là. Je lis pas, hein, voilà. Non mais c'est quoi là, c'est n'importe quoi. Des minotaures. Putain mais what? Bon eux en tout cas ils sont one shot hein. Okay. Eux ils sont assez pourris. Garde, j'ai assez pour m'acheter le homme. Ah oh, ok. Putain mais c'est de la folie. Ah par contre si le moine meurt là je suis dans la merde hein. Lui Minos c'est le seul qui doit pas crever. Les autres peuvent crever c'est pas grave mais pas lui hein, parce que lui c'est lui qui a le pouvoir magique. Hein. Putain mais what the fuck, c'est quoi ce donjon? Oh putain, des tarentules par milliers.
On rentre, non mais on rentre, non mais on se barre. Des anacondas, waouh. Des fucking anacondas quoi. Ok, alors ce donjon c'est la folie quoi. Putain, une embuscade. Mais t'es normal, c'est normal. Embuscade, voilà. Ouais. C'est tu vois, tu des fois t'as des éléments bizarres comme ça dans les jeux. Embuscade. Putain, il va crever quoi. Je comprends maintenant pourquoi t'as la magie pour restaurer un allié qui est mort. Attends, tu fais un pas, tu tombes sur 10 mobs. Tu fais un pas, tu tombes sur la folie quoi. Attends, mais please, à un moment, c'est pas normal quoi. Merde, je suis bientôt. Je suis sûr, j'y retourne, je suis niveau 20, je ressors, je suis niveau 25 quoi. Oh, vous avez l'inventaire. Mais c'est quoi ce donjon, please quoi. Où tu. J'ai jamais vu ça, vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu dans un jeu où tu. Quand tu fais un pas, à chaque pas, tu tombes sur un ennemi. C'est. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il y a encore une embuscade. Alors, les embuscades, c'est de la merde. C'est dit, je sais pas pourquoi je tombe que sur des embuscades là avec les loups. Comment, non mais comment tu peux rater une embuscade où il y a 8 loups? Attends, à un moment faut être con. Faut avoir les yeux fermés quoi. Et je gagne des antidotes, ce qui me sert strictement à rien étant donné que j'ai la magie pour me soigner de. Mais encore une embuscade! Non mais là faut arrêter de se foutre de ma gueule là. Le jeu est clairement dit arrête de jouer. Des jaguars, ok, nouveau mob que j'avais pas vu. Ok, mon bus va crever là. Putain, mais il fait mal, Rachid, mais. C'est un fou quoi. Non, mais c'est quoi ce donjon, please? Regardez, j'étais à 600, à 6000 guilds, je reviens, j'ai 34000 guilds. J'ai quasiment multiplié mon total par par 5, quasiment. Moins par 6, voire même par 6. Non mais stop quoi, regarde, je peux quasiment m'acheter bah je non, je peux pas, il m'en manque putain, j'ai resté dans le donjon 10 minutes de plus quoi, je serais pas bah, je suis quasiment niveau 25. C'est non mais what? Non mais tu fermes le donjon, à un moment tu vas arriver à niveau 30 quoi. Mais what the fuck le donjon quoi. Il est fou quoi le donjon. J'ai 3300, wow. Regarde les pouvoirs magiques que j'ai avec mon bus, il a quasiment 3, il a 300 de puissance quoi. Oh mais ça veut rien dire totalement, rien dire. C'est complètement fou quoi. Non mais j'ai vraiment je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu dans un jeu, dans un RPG, quand tu fais deux pas, tu retombes sur un ennemi. Parfois ça arrive, je dis pas ça arrive jamais. Ça arrive, ça peut arriver, tu fais deux pas, tu retombes sur un ennemi. Ok, mais là c'est arrivé 5 fois de suite. Non, au bout d'un moment, j'aimerais avancer. J'aimerais avoir la possibilité d'avancer. J'aimerais s'il vous plaît pouvoir avancer. Je vais passer niveau 25 les gars là. Je vais passer niveau 25. Oh là là, des ombres. Please, please, please. De toute façon je vais les buter. Bon allez, retournons dans ce donjon de fou furieux. Y'a là, regarde, non mais c'est tout ou rien. Allez, encore une embuscade, merci les embuscades. Par chance, je ne suis pas empoisonné. 327 de dégâts. Ah, une porte. Et un trésor. Un minotaure. On avait vu que les minotaures, c'est mes petites putes, voilà. Mais les gigas, 1975 guilds. Ça a plus de 1880 points de vie. Ouais, bon, ça par contre... ça par contre, ça va encore.
5... Ok, ok, j'ai rien dit. J'aurais peut-être dû faire un brasier plus. Hein. Putain, gardez la tu... Je suis à 40... À 48, putain, mais... Ça... Ouh, putain, mais... Rachid, t'as zéro... En fait, Rachid, c'est tout ou rien. Le mec, il te fait des masses dégâts, mais il se prend max dans la gueule. Heureusement que j'ai le pouvoir magique pour instant mes alliés. Alors, par là, c'est non. On n'a pas fait la diagonale. Oui, alors, je piffe les attaques. Putain, mais arrêtez d'attaquer Rachid, mais putain, mais... Putain, les mecs, on a un tank, mais les mecs préfèrent attaquer le lotier, quoi. Le mec, qui a zéro de vital. Ouais, le mec, il y a... C'est le mec qui a moins de points de vie. Putain, focus quoi. Au moins, il est facile à soigner, mais bon. Bon, la diagonale, on n'a pas testé. Ok, c'était bien la diagonale qu'il fallait prendre. Coffre. 75 guilds et... Et un... Oula, ça doit être un trésor caché. Parce que là, un terracide, ça doit être un boss. Hein. Alors, si c'est un boss... Je vais me préparer à faire un invisible sur Rachid, parce que c'est toujours sur Rachid qu'on s'en prend. Et toi, tu vas te prendre un brasier plus. Ah bah ok. D'accord, en fait je m'étais préparé à que ce soit un boss qui ait plus de 1000 points de vie, mais au final il n'en a que 500, quasiment 500. 400, 500, non 400. Mon 3 monte à niveau, c'est HP, mon 2, c'est son acheté au moins. Rachid monte à niveau, c'est HP, monte de 3. Minos monte à niveau. Ah ouais, monte à niveau, c'est tout. Hein. Les stats ne montent plus quoi. C'est pour un magique de 1. Hein. Ça force au moins. On buse d'un niveau, c'est HP, monte de 3. Et c'est pour un magique de 9. Ça force au moins. Son échelon, ça chance au moins. Antidote. Tout ça pour un antidote. Tu te fous de ma gueule. Il y a une autre porte là-bas. Décombres. On s'en bat les steaks. Ouais, mais à un moment, c'est. Ouais, je suis empoisonné. C'est pas grave. J'ai de toute façon l'antidote. J'ai le truc pour restaurer la... J'ai la magie pour enlever le poison. Vocalisme, j'ai jamais eu. Hein. Mutisme, j'ai jamais eu. Hein, un truc comme ça. Mais tu vas voir, à un moment, ça va arriver. Tu t'y attendais pas du tout. Et là, tu vas te prendre un truc magique qui va faire que ça va faire vocaliser. Tu t'es dit, putain, bah j'ai jamais eu ça de ma vie. Pourquoi je mettrais ça sur mon perso? J'ai gagné un couteau. On tue un minotaure. J'ai du mal à cerner là. Putain mais Rachid il fait tellement mal mais... C'est juste une caverne au trésor ou... Parce que j'ai pas trouvé d'entrée... Pourtant il doit avoir des étages mais... Une potion, très bien. Et merci. Ah non en fait c'est juste dans les zones en fait. Oh ouais 75 de dégâts, ouais ok. Ok, 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 très bien, très bien. Je comprends, je compatis ce que vous voulez vous dire. Alors, magie. Soin. Et 88 guilds. Les cobras. On a combien de temps dans la vidéo là en ce moment? On est à 18 minutes, putain. Ça fait tellement mal, mais. Bon, après, les mobs qui sont pas censés frapper. Les pouvoirs magiques. Putain, mais l'argent que j'ai. Une des tarentules. C'est chiant les tarentules. On n'aime pas les tarentules par chez nous. Bon, on va retourner. On n'est pas allé au centre. Ah oui, merde, il y a plein d'anacondas. Oh là là, je suis tombé partout. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Pourtant Rachid il a aucune augmentation stat et il frappe à ce point comme un bourrin. Je crois que c'est soit c'est l'arme qui fait ça, soit c'est Rachid. Fais gaffe, là, il va. Je pense que Contran là il va dépasser les 1000 points de vie bientôt. Bientôt hein, les 1000 points de vie, moi j'y crois. Les Minotaurs. Alors. Putain, même mon bus il y a fait mal sur le Minotaur, c'est moi. Donc là, il n'y a rien. Vous êtes minable. Donc on va retourner dans la zone de l'enfer.
Ah là, là c'est la... Je sais pas pourquoi, mais cette zone est enférique. C'est l'enfer sur terre. C'est... Là c'est enfer sur terre, tu comprends pas. Voilà, tu fais un pas, tu sais pas, dans cette partie du donjon, c'est la mort quoi. Pourtant y a rien, c'est juste un détour quoi. Tu vois, c'est la folie. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est bien buggé. C'est bien buggé, hein, putain. Je sais pas si c'est par là justement où il faut aller. C'est ça l'histoire, je suis pas allé loin, j'ai pas vu le bout du couloir. Mais dans ce jeu, ce qu'ils auraient dû mettre, c'est un truc pour enlever, pour que les mobs se cassent. Bon, j'ai rien trouvé. Attends, c'est quoi ça? C'est le décor, ouais, c'est le décor. Ouais, une embuscade avec 8 chefs ogres. Je vais regarder la solution après, après la fin du jeu. Bah, après la fin de la session. Voir ce qu'il faut faire parce que là est-ce que c'est dans ce donjon qu'il faut aller? Putain, mais la thune qu'on gagne, regardez, on a 54 tutes et on va bientôt passer niveau 26 alors qu'au début du jeu j'étais niveau alors, pourquoi cette partie alors qu'il y a rien, il y a strictement rien. Ah, il y a peut-être un, j'ai vu un renforcement. Pourquoi un tilan? Ah ouais, mon bus il va crever là. Ah, il va crever. Prochain tour, si on fait rien, il meurt. Oh, magie. C'est peut-être fait exprès, hein. Je sais pas. Hein. Mais c'est quand même chiant, quoi. Or, soin. Plus. Un petit coup sur toi, un petit coup sur Rachid. Bon, Gontran, il tient bien le coup. Mais pourquoi non, c'est cette partie du donjon, c'est seulement cette partie en fait. C'est le maxi bug de tout ce que tu veux. Et ça, ils font masse dégâts. Montre en mon niveau, ça HP mon 31, ça force au monde. Rachid mon niveau, ça HP mon 3. Ça s'achèvement, ça chansonnement. Minos mon niveau, c'est HP mon 30. C'est pour un magie de 16, ça chansonnement. Ombus mon niveau, c'est HP mon 25. C'est pour un magie de 20, ça s'achèvement. Bon là, il est devenu Gauthier. Donc là, j'ai l'avantage. Un rasier plus. On va montrer qui c'est les patrons. Mais what? 334 et 1000 deals. Je sais pas pourquoi dans cette partie du donjon c'est à ce point la crise financière quoi. Alors on en a tué un. Mais c'est fou hein, les gigas, tu peux passer ta vie à les farmer. Tu vas revenir, mais regarde 516 XP quoi. Ouf. Des gargouilles, tiens, on en avait pas eu l'occasion d'en affronter depuis tout à l'heure. Mousseur, c'est vrai que je m'en sers pas. Bah, c'est des mobs, je vais pas utiliser des objets contre des mobs. Putain, c'est craqué quoi. Alors, c'est quoi qui change? Pourtant, ils sont tous les deux aussi agiles. Ah non, c'est la tête, la précision. C'est peut-être pour ça que. Ou alors, c'est l'arme. Il y a beaucoup, ouais, il y a aucune défense. Ils sont tous les deux à 17. Montron est à 37 parce qu'il a une armure. Putain, mais c'est énorme. Il a 515 de points de vie, hein, ben ça. Oh, il est 1000 points de vie. Moi, je dis à la fin du jeu, on est à plus de 1000 points de vie. Hein. Pas avec tout le monde, peut-être Minos et Gontran, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de 5000. Bon. En tout cas, il y a un étage. Sinon, il mettrait pas. Voilà. Mais je sais pas où est l'étage. Je garderai mon côté. Donc là, on va s'arrêter là. Hein. Je vous ai remonté les deux donjons. On n'aura pas fait grand chose dans cet épisode, je vous avoue. Mais on aura levelé comme un sac. Ce sera. On va dire que c'est un épisode levelé. Regardez. J'étais niveau 20 hein, enfin, au début de la session. Là, je suis niveau 26. Mais compte. Voilà, j'ai sauvegardé au passage. Au début du jeu, quand j'ai commencé ma session aujourd'hui, donc c'était à bien l'épisode 6 et l'épisode 7, j'étais niveau 20. Là, je suis niveau quand même 26.
Et on est quand même au deuxième. On a fini le premier quart du jeu. Quand même, là, j'ai monté niveau d'un coup, boum. Bon, on va acheter l'armure. Je comprends maintenant pourquoi l'armure est si chère. Au final, oui, c'est normal. Là, dans le donjon, là, regardez, je suis presque à deux doigts de m'en acheter une deuxième. Tellement je suis pété que thune. Bon, Optimal, il était à 110. 47, moi, par contre, attends, Optimal. Il a 46 d'esquive. Attends, c'était quoi? C'est l'armure de fer. Ouais, il perd toute son esquive. Par contre, il défend mieux. Ouais, bah c'est normal. Il porte une grosse armure sur lui, c'est difficile d'esquiver en même temps. Parce que c'est compréhensible. Donc les gens, je sais pas si on va continuer. L'épisode dernier était sacrément long. J'ai la solution à côté de moi. Écoutez. Moi je dis, on peut regarder, on peut y jeter un coup d'œil. Il faut aller à la. Ok. Donc il faut bien aller à la caverne de Terra. Eh ben vous savez quoi? La caverne de Terra, ben. Eh ben on va retourner. Je vais voir, j'ai bien remonté le niveau. Oui, oui, j'aurais bien remonté. On va retourner dans la caverne. Et on va... Je vais tenter... Je vais pas te leveler comme un sac. Je vais juste y aller en mode... Voilà. Si on trouve la sortie... Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? À partir de l'escalier d'entrée, monter pour... Monter. Ok, ce n'est pas un bug du jeu. Il y a certaines zones de ce type à plusieurs endroits dans le jeu. En partie lorsqu'on rentre dans les petites salles vides sans coffre. Méfiez-vous donc avant d'aller par là. Vers la droite. À la droite, ça c'est ma main droite. Ok, donc ce n'est pas un bug. Très bien, je m'excuse, mais j'étais étonné. Je n'ai jamais vu ça dans un jeu. Un endroit où quand tu fais un pas. Qui va à un combat. J'étais pas préparé, je m'y attendais pas. Je savais pas que ça existait. Maintenant je le sais. Je m'en excuse. Alors il faut aller à droite. On m'a dit d'aller à droite. Ok, une embuscade. Alors il y en a un qui me fait 2 de dégâts, l'autre me fait 24. Hein. D'accord. Juste d'accord. On m'a dit d'aller à droite. Je suis allé à droite. Ah non, c'était pas par là qu'il fallait. Ah non! Attendez. Ah, attendez, on me dit. À partir d'une escalier, montez pour atteindre une salle au trésor. Revenez au escalier, puis descendez un peu vers la droite. Un carrefour avec deux salles. Si vous prenez la gauche, vous tombez. Ne soyez pas surpris, il y a certaines zones. Méfiez-vous donc avant de... Revenez aux escaliers, prenez la vers la droite, vous verrez un escalier. Je vois pas d'escalier. Tiens, je vais un peu explorer la zone. Ah oui, d'accord, très bien. Kiki ! Retourne des araignées. Alors, deuxième. Il y a 3 sous-sols dans ce truc. Et il y a un boss fight. L'épisode fait 28 minutes. Bon, écoutez, on va un peu explorer cette zone. Ce sera un très long épisode, je vous le dis. Allez, je vous préviens, cet endroit va être... Je vais explorer cet endroit. Il y a un boss fight. Donc, voilà, je me suis spoil, je sais pas ce que c'est, mais... On va éviter de se spoil davantage, voilà. Hop. Ouais. Bon, sachant qu'il n'y a pas sans endroit où aller, donc là, il n'y a rien. Alors, pour les escaliers, c'est tout en bas à droite. Bon. Alors, il y a 2 salles au trésor. Bon, j'ai lu concernant cette partie. Voilà, il y a une troisième partie. J'ai juste vu boss fight. C'est juste ça que j'ai vu. Après, je sais pas ce qui va avoir lieu. Je sais pas quel boss c'est.
quelle stratégie je devrais établir. Donc ça, ce sera pour l'épisode 8. Et l'épisode 8, je vais peut-être aussi le tourner en avant. Alors... Ou alors, je sais pas, j'hésite en fait à le faire maintenant. Si je le fais maintenant, je serai tranquille, je pourrais avoir partir l'esprit libre. Donc là, il y a une porte. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, il y a plein de golems. C'est pas des golems, c'est des... C'est des ogres. Bon, c'est pareil. Ouais, ils sont morts. Mille. Ah, c'est ça la salle au trésor? Bah, l'une des salles au trésor. Ouais, des terracides. Apparemment, cet monstre... il est pas mort, ok. Là, il est mort. La guille, du pavard. Un pavard en argent et des ogres, ok. Mais, j'y pense la zone, là. Un combat. 5000 guilles. Bof, c'est pas ce que j'appellerais un trésor très important. Ah, Gontran, mon niveau, son HP augmente, son vigueur augmente. HP mon niveau, c'est HP mon 2-3, sa vigueur augmente. Mon niveau, c'est HP mon 2-31, c'est pouvoir magique de 17. Au mieux, mon niveau, 19 en fort. Voilà, c'est tout. Putain, on est niveau 27, mon gars, mais. C'est archi craqué, quoi. Alors, faut aller. Bon, allez, écoutez, ce sera un très long épisode, voilà. Comme le dernier. On va aller au boss fight, comme ça, ce sera fait. L'épisode fera 3-1 heure. C'est pas grave, faut vous habituer. Moi, quand j'ai envie de faire des 11 épisodes, j'ai envie de les faire. Là, je suis à fond dans le jeu. Je me donne envie. Même si, pas là, le coup des combats m'a un peu refroidi, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut finir le jeu. Faut finir. Il y a plein d'autres jeux qui doivent venir. Au début, je voulais faire. Je pense que, à l'avenir, Momo RPG va devenir. Bien plus long, vous aurez pas des épisodes de 30 minutes, mais des épisodes d'une heure, voire de 1h30. Vous aurez pas comme là avec. Comme là pour. Voilà, là c'est le troisième étage. Bon, j'ai pas regardé, je suis désolé. Des démons et des revenants. Non, pas sérum, ça sert strictement à rien. On va faire l'humain plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc que les épisodes seraient plus longs à l'avenir. Vous aurez des épisodes d'une heure trente. Et là, c'est un test. Hein, c'est un texte. T-E-S-T, voilà. J'ai la flemme de bien parler. Par contre, il faudra m'expliquer comment les mecs arrivent à être dans une caverne comme ça. On va peut-être faire un petit soin avant le boss fight. Je pense que c'est là où on l'a vu la salle, quoi. On avait vu une salle où on était. Je pense que c'est ça le boss fight. Quoique, peut-être pas. Là, il y a un coffre. Un terracite. Je connais pas les noms des monstres. Hein. C'est la première fois que j'en vois des terracites. 340 guilds. Bon, l'argent, je vous avoue, pour moi, c'est le pire truc dans un coffre. Des envoûteurs? C'est quoi ça, des envoûteurs? Pourquoi ils font mal? Et ils ont pas beaucoup, ils ont pas tant de points de vie que ça. Oula, attendez. Voilà. Ok, je sais pas si c'est des morts vivants ou quoi que ce soit, mais en tout cas ils font assez mal. Ok, 270, bon si tu veux. Casse-toi la chauve-souris! Alors là il y a encore un truc, des ogres. J'adore en fait à l'époque les comment expliquer qu'un monstre est plus fort qu'un autre, l'évolution d'un monstre, eh ben tu changes sa couleur. Ça c'est marrant quoi. Là le mob il est vert quoi. 1200 guilds, putain. Ok, c'est une salle vide, y a rien. Je me suis fait avoir. Là le coup des salles vides, j'avoue c'est marrant. C'est. Bah c'est pas marrant mais je veux dire c'est intelligent de leur part. Ah, il y a peut-être quelque chose dans cette salle. Merde. C'est marrant, ouais. Ether, fais-moi voir. Ouais, on est encore loin du niveau 28. Donc là, ça, je pense que c'est le boss. Ah non, c'est juste un trésor. Ah non, mais il y a encore une autre salle. Putain, il m'a fait mal. Putain, de l'argent, mais je m'en bats les couilles. Ah non, c'est encore. Ah, là, je crois que c'est le boss. Des quoi? Des Galus? C'est quoi ça? Putain les mecs, c'est quoi ces mobs? C'est quoi ce mob?
complètement qui ressemble à une hirondelle. Un défigeur, c'est quoi un défigeur? Ah, c'est pour attendez, objet. Bon, alors ça merci patron, les. Alors c'est soigne de fossiles, ok. Je sais pas ce que c'est. Merci patron, si c'est un inventaire Ah non, c'est un. Tout dans ce monde tend vers sa destruction. Nul ne brisera le sceau, ainsi la terre ne pourra défier. Alors je voulais dire que l'inventaire il n'est pas limité. En gros, c'est un inventaire illimité. En gros. Que j'ai pas à vendre du stuff pour prendre d'autres trucs. Comme dans Pokémon par exemple. Dans les premiers Pokémon, quand tu trouves un item, t'es obligé de le. Si ton sac il est plein, bah tu peux pas le prendre. Il est impossible de changer le cours du destin. Et malheureusement pour vous, les humains sont impuissants contre les morts vivants. C'est lui le boss. Apparemment. Un vampire. Et j'ai oublié de me soigner, bravo. C'est un vampire. Attends, c'est un mort vivant. Donc un mort vivant, ça se prend l'humain X directement dans la gueule. Bon allez, là on le bourre sa gueule, là, ce bâtard. Ah ouais, d'accord. Il déconne pas. Voilà. Ah, il est fort, hein, le boss, hein. 300 points d'XP, 2000 guilds. Ah, il est fort, le mob, hein. Vous obtenez un rubis étoilé. C'est quoi? C'est quoi, le rubis étoilé? Il y a une autre sortie par là. Le boss, on l'a victime. Oh, il m'a fait 132 dégâts. Bon, c'est pas comme l'autre boss qui m'avait... Qui m'avait one-shot Gontran. Mais il m'a fait... Il a attaqué... je sais pas pourquoi il a attaqué en plus, quoi. Il a attaqué le mec qui avait moins d'HP. Bon, bah, écoute. De toute façon, j'avais vie. Alors, vie, c'est la vie. Mais je suis surpris, il a survécu, hein, Ombus, hein. Voilà, j'aurais dû faire ça avant le boss fight. C'est quoi ça? Une dalle de pierre incrustée dans le sol, une forme magnifique s'en dégage. Ok. Ça veut peut-être dire qu'il faudra y aller la prochaine fois. Imagine le mec qui a fait tout le donjon, il prend pas le rubis étoilé. Ah, il a l'air con. Bon les gens, l'épisode fait 37 minutes. On a battu le boss. On va quitter. Je vais quitter moi dans mon coin. Ah, je suis paralysé, super. Merde, bravo, très intelligent. Alors, par contre, si je perds mon match blanc, là je suis dans la merde. L'humaine X. Le Brasier X. Donc les gens, là on va battre, voilà. Mais regarde la thune, mon gars, la thune. La thune que j'ai, mais c'est indescriptible. Je vais passer niveau 8 dans mon coin. Je vais peut-être même passer niveau 30. Comme ça, je serai tranquille pour le reste du jeu. Non, mais je sais pas si je devrais être niveau 27 à ce niveau du jeu ou niveau 20, quoi. Parce que, bon, j'ai quand même, je l'avoue, j'ai fait des séances, quand même un peu de séances de farm pour un peu de l'argent, tout ça. Je sais pas, j'ai 8 heures de jeu. Est-ce que, bon, j'ai pas vraiment 8 heures de jeu, je devrais être à. Je dois être à 5 heures de jeu. Non, je pense que je suis à 7 heures. Ah, c'est ça, fossile. Ah, il gagne pas l'argent quand il est fossile. D'accord. C'est, il y a des mobs qui m'enfilent le fossile. Bon, j'ai un défigeur. Ok. Et je crois qu'il a pas gagné d'XP, hein, du coup. Ça. Donc, attendez, état 100 147 état. Non, il a pas gagné d'XP, d'accord, c'est bien ça. Très bien. Merci fossile. Bon, très bien. Bon, on a découvert on a découvert ce que servait fossile. Ça me fait gagner rien, quoi, c'est sale. Ah d'accord, en fait j'ai compris. Par moment il utilise son bouclier, d'autres par moment il n'utilise pas son bouclier. C'est pour ça que par moment il prend moins. D'accord, j'ai compris. Bon, j'ai compris deux trucs en moins de 2 minutes. Très bien les gens, bon c'était l'épisode 7 de Final Fantasy. J'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve bientôt pour l'épisode 8. Alors j'ai dit que l'épisode 8 sera le dernier épisode tourné en avance. Ouais, ce sera le dernier. À partir de l'épisode 8.
Je sais pas, j'aurais peut-être vos commentaires. Je lirai vos commentaires si vous m'en avez fait, vos conseils. Bon, vos conseils, vu que je suis à l'épisode 8. Bon, voilà. Vous pouvez me donner des conseils au cas où je vais galérer à un moment. Voilà. Bon, pire, j'ai la soluce à côté. Voilà. Donc, les gens, c'était Super Canin. À vous, les studios.